Le château de Versailles a décidé de mettre à l'honneur l'histoire de la marine de l'empereur en lui dédiant une exposition. Le Musée national de la marine a donc été naturellement sollicité pour prêter, le temps d'une exposition, sa fameuse collection de maquettes, dite collection Trianon. Pour la première fois, les maquettes que Napoléon avait voulu rassembler dans la galerie Trianon vont être à nouveau présentées dans ce lieu. Donc l'idée était de remettre les navires, bien sûr, dans leur contexte historique et d'utilité technique, si vous voulez, quel type de guerre on pouvait mener avec les différents types de navires. Voilà. Donc c'est absolument extraordinaire, puisque 16 modèles vont être transportés vers Versailles, et 16 modèles parmi les plus prestigieux et les plus beaux de notre collection. Nous avons pu enfin rassembler toute cette collection dans la galerie de Trianon pour faire cette jolie exposition. Du palais de Chaillot jusqu'à Versailles, nous allons vivre les différents actes qui constituent une opération de prêt de cette ampleur et nous intéresser plus particulièrement au modèle L'Océan, emblématique de la collection Trianon. Voilà un fleuron de l'architecture navale française, un fleuron de la collection, quasiment l'un des premiers modèles à être placé à Trianon en 1810. Donc vraiment une pièce majeure et pour la collection du musée et pour l'exposition. Le constat d'état de l'océan va entraîner un certain nombre d'opérations de restauration et de consolidation nécessaires au transport du modèle. De mon côté, on a des fribourgs qui a donc les caronades et les canons, et qu'il y a plusieurs bouchons d'ivoire de caronades qui manquent. Il y en a 3 manquants. Donc il y en a une qui était, tu vois, il y a ça, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est du bois qui est peint en blanc là. Donc ça, c'est encore en ivoire. Les autres sont en ivoire. Et celui-là, c'est du bois peint en blanc. Ouais. Là, c'est de l'os. Enfin, ouais, oui. Quand je dis ivoire, c'est l'os d'ivoire. Oui, hein. Oui. T'as vu? Il est en train de se partir. Il est en train de se... Donc ça, il faudra essayer... On va essayer de le recoller, mais ça va jouer un peu. Ouais, pour le ramener, parce que là, du coup, ça arrache la fenêtre. Donc là, au niveau de la martingale, on a un cordage de cassé. Hélène et Jean-Michel vont scruter pendant plusieurs heures et dans les moindres détails la maquette de l'océan. Cordage cassé, vergue ou mât brisé, tout est passé au crible et consigné dans un constat d'état qui permettra ensuite de commencer la restauration. La restauration peut prendre plusieurs semaines par modèle. Le temps est compté car l'exposition ouvre en juin. Il y a parfois des opérations de restauration, il y en a quasiment toujours, parce que quand on a un gréement en cordage, ce sont des éléments très fragiles et certains sont parfois rompus, il faut soit les restaurer, soit les restituer. Alors là, je suis en train de restituer un cordage qui s'appelle le cargo-point de grande voile. En fait, c'est un cordage qui était brûlé et il en manquait une partie. Et en fait, il est trop brûlé pour le sauvegarder, donc... Je suis obligé de le restituer, donc pour le restituer, j'en ai fabriqué un de même type et du même diamètre. Et là, je suis en train de le remonter à sa place dans le gréement. Oui, et puis là, les autres manœuvres qui sont d'origine, elles ont un peu plus de 2 siècles. Donc c'est des cordages dans l'ensemble, ils sont quand même assez fragiles. Donc il faut y aller doucement pour ne pas les casser. Quoi. Donc là, il y a une petite opération sur les canons parce qu'il manquait 2 canons.
Et les deux canons, je les ai retrouvés à l'intérieur de la coque. Donc en fait, là, ce que je fais, bah, je recolle les canons et je recolle aussi les affûts des parties qui sont sous les canons. Et en plus de ça, pour le transport, pour aller du musée au lieu d'exposition, je vais amarrer tous les canons avec un cordage de manière que si par milliard, il y en a un qui se décolle, il ne rentre pas à l'intérieur de la coque, parce que c'est très difficile à aller chercher. Pendant que la restauration continue, intéressons-nous à l'histoire de cette collection. En 1810, peu de temps après son installation à Trianon avec l'impératrice Marie-Louise, Napoléon rassemble dans la galerie des Cotels une collection de modèles de navires. Mais pour quelle raison ? On n'a absolument aucun texte, aucune archive disant pour quelle raison Napoléon a souhaité rassembler une collection de modèles de navires dans la galerie de Trianon. Ce que l'on suppose, en revanche, c'est qu'il avait besoin de se former d'un point de vue maritime, ça c'est indéniable. Donc on imagine simplement que l'empereur avait dans l'idée de relancer son grand projet de débarquement en Angleterre, qu'il avait mis sur pied déjà en 1801 et qui avait échoué suite au désastre de Trafalgar. Voilà, donc c'est un peu la raison pour laquelle on imagine qu'il avait rassemblé cette collection de modèles de navires, dans laquelle très précisément on trouve des navires de débarquement, des canonnières briques, des péniches de débarquement, des bateaux écuries pour transporter les troupes, pour transporter les chevaux, etc. Mais revenons à l'atelier du musée de la marine où la préparation des modèles s'accélère, plus que quelques jours avant leur mise en caisse. Nettoyage, dépoussiérage, consolidation, remontage des voiles et des pavillons, chaque modèle fait l'objet d'une attention toute particulière. Les restaurateurs travaillent sans relâche. Leurs mains expertes redonnent une nouvelle vie au cordage et aux voiles abîmées par le temps. Un rapport de restauration est rédigé à la fin des interventions. Il permet de documenter en détail les différents travaux et d'en garder la mémoire. Tôt ce matin, les opérations de mise en caisse des 16 modèles ont commencé. La tension monte d'un cran. Les premières maquettes commencent à être emballées délicatement par des spécialistes de transport d'œuvres. Quand on emballe une maquette, on ne stabilise que la partie de la coque. On ne peut surtout pas, on ne doit surtout pas toucher au gréement. Quand il y a des chaos, des heurts, enfin il ne doit pas y en avoir, mais enfin si jamais il y a le moindre problème, ce gréement peut se rompre. Donc il ne faut surtout pas le stabiliser, on doit stabiliser la coque de l'objet, l'assembler, vérifier tous les éléments mobiles qui peuvent se trouver sur l'objet, les emballer à part ou les stabiliser sur l'objet. Donc des opérations extrêmement délicates. Pour emballer un modèle de grand format avec beaucoup d'éléments de ce type, hein, par exemple des canons qu'il va falloir attacher entre eux pour éviter qu'ils ne partent à l'intérieur de la coque pendant le transport, eh bien on peut prévoir jusqu'à un jour ou même parfois un jour et demi d'emballage, hein, d'adaptation de la caisse qui a été prévue. Dans quelques instants, l'océan sera mis en caisse. Un dernier amarrage des canons et il sera prêt. L'équipe chargée de l'emballage prend d'infinies précautions afin d'assurer le transport en toute sécurité. Thank you.
Ce matin de juin, le camion transportant l'océan arrive au Grand Trianon. 186 ans après, le voici revenu à son port d'attache. Moments d'émotion et opérations délicates vont rythmer la journée. Allez, encore, hop, c'est bon. L'ouverture de la caisse est effectuée sous la vigilance de Jean-Michel et d'Hélène. La tension est perceptible. La maquette de l'océan se révèle. À première vue, elle n'a pas subi de dommages. Une analyse plus méticuleuse est cependant nécessaire avant son installation en vitrine dans la salle d'exposition. Pour le déballage, on va avoir les mêmes précautions, les mêmes difficultés et toujours la supervision des professionnels du musée qui sont là pour intervenir en cas de problème, et notamment si l'un des cordages, par malheur, s'est rompu pendant le transport, ou si l'un des canons est parti à l'intérieur de la coque, même si on a cherché à l'éviter, parfois cela arrive. Et donc là, il y a toujours aussi un temps d'intervention à prévoir sur place au déballage. Ensuite, il faut mettre l'objet dans sa vitrine d'exposition, et là encore, manipulation délicate. Parfois, il faut jusqu'à 3 ou 4 personnes pour manipuler l'objet. Pour vérifier qu'il n'y a pas de problème aussi, des gens qui regardent ce qu'il se passe autour, avec un gréement qui dépasse, on peut parfois, quand on se relève, qu'on prend l'objet et qu'on se relève pour le transporter, heurter quelque chose en hauteur, par exemple. Donc il faut toujours une personne qui regarde pendant les manipulations. Voilà, c'est fait. L'océan est à nouveau dans cette galerie des Cotel qu'il avait quittée 186 ans auparavant. Aussi beau et imposant que le jour où Napoléon, ici même, posa pour la première fois son regard sur lui. Collection, parce que comme toujours avec Napoléon, il fallait aller très vite. Dès qu'il avait décidé quelque chose, dans les 15 jours, il fallait que ce soit fait. Donc il avait fallu certainement puiser très rapidement des modèles plus anciens. C'est le cas de l'artésien, dont mes collègues, vous, co-commissaires avec moi de l'exposition, vous feront des commentaires, et également d'un chébec. Alors ce sont deux modèles qui sont complètement démodés sous l'Empire. Par contre, ensuite, vous allez voir la collection elle-même, qui est constituée d'ébène et d'ivoire. C'est la caractéristique vraiment de la collection Trianon. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette exposition avec une muséographie tout à fait particulière et tout à fait intéressante, étant donné l'unité de lieu. Nous avons souhaité, en fait, avec le scénographe Nicolas Adam, avoir une sorte de vaisseau avec le gaillard avant et le gaillard arrière, donc d'un navire. C'est comme si nous nous trouvions sous le pont et les lustres forment un peu comme les mâts, si vous voulez, qui sont sur la partie supérieure. Voilà, alors beaucoup de bois, beaucoup de rondeur également pour évoquer toute cette marine à voile en bois. Voilà, donc, et puis la couleur bleue également qui évoque évidemment l'espace, la mer, le ciel, etc. Voilà, donc je vous invite à...